Wow. 67, ça fait 67 jours que je suis parti. Et je crois qu'aujourd'hui c'est l'un de mes plus beaux jours de mon voyage. Le temps est merdique, il pleuviote toute la journée, mais je m'en fous. Aujourd'hui, c'est mon premier jour en Mongolie. Et c'est juste magique, je sais pas, je m'y sens juste trop bien. Il fait froid, il fait un temps pourri, mais c'est trop cool. Ouais, il y a une route pour aller à Oulan-Bator, d'où je suis venu, et franchement, vaut mieux aller à côté de la route, aller dans les chemins, enfin je suis là pour ça, dans les steppes, en plein milieu des steppes, on s'y sent trop bien, il y a quelques petits villages, des yurts, des petites maisons et tout, c'est magnifique. Donc voilà, comment on se sent après 67 jours de voyage? Et ben pas trop mal, il y a des moments comme ça qui vous donnent la patate et qui vous font oublier plein de galères. Et voilà, juste magique, juste magique. Ouais, je sais pas, la moto impeccable, ça roule super bien. Moi, nickel, la santé, je bouffe bien. Ouais, que vous dire, je suis trop content. Je pense que je vais camper dans le coin, il va pas tarder à faire nuit. Et puis, demain, je vais rejoindre Oulan-Bator. Quelques jours dans une auberge de jeunesse, le temps de checker un petit peu pour la suite du parcours, tracer mon parcours vers le désert de Gobi, voir les chemins les plus intéressants à prendre. Et voilà, voilà, voilà. Donc voilà, putain, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Je suis parti de France le 14 juillet et là on est le 18 septembre, je suis en plein milieu de la Mongolie, tout seul. Ouais, c'est dingue, c'est trop cool, je suis trop heureux en tout cas. Bref, voilà, j'espère que vous, derrière vos écrans, vous êtes aussi heureux, et dans ce cas-là, je suis content pour vous. Voilà, donc à bientôt, je vous redonne des news, ciao.